Ce mercredi 17 janvier 2024, Kensington Palace a annoncé que Kate Middleton était actuellement hospitalisée après avoir subi une opération. Quelques semaines auparavant, la princesse de Galles était pourtant apparue rayonnante lors de la traditionnelle messe de Noël, à Sandringham. C'est une nouvelle qui a inquiété le monde entier. Ce mercredi 17 janvier 2024, sur les réseaux sociaux, Kensington Palace a annoncé via un communiqué que Kate Middleton venait d'être hospitalisée et opérée. Son Altesse Royale, la princesse de Galles, a été admise hier pour une intervention chirurgicale abdominale programmée. Si la famille royale n'a pas révélé de quoi souffrait l'épouse du prince William, quelques heures plus tard, le palais a fait une mise au point et a affirmé que son intervention n'était pas liée à un cancer. La nouvelle de l'hospitalisation de la mère de George, Charlotte et Louis est d'autant plus choquante, puisqu'il y a seulement quelques semaines, la princesse de Galles était apparue rayonnante lors de la traditionnelle messe de Noël, à Sandringham. Comme à son habitude, elle avait fait sensation dans un magnifique manteau couleur bleu roi. Pourtant, à cette époque, la sœur de James Middleton était déjà souffrante, car son opération était déjà bien programmée pour le 16 janvier dans une clinique de Londres. Plus grand que photo Charles III, Camilla, Kate, William. Chaleureux bain de foule pour la messe de Noël. Kate Middleton hospitalisée. Le quotidien de sa famille bouleversé. Kate Middleton semble avoir subi une lourde opération, puisque le communiqué a annoncé que la sœur de Pippa Middleton devrait rester entre 10 à 15 jours à l'hôpital avant d'être en convalescence à son domicile pendant plusieurs mois. En effet, selon les premières informations, la belle-fille de Charles III ne pourra pas reprendre ses fonctions royales avant Pâques. Le prince William a dû, lui aussi, de son côté annuler ses engagements pour les mois à venir afin d'être au chevet de sa femme et pour s'occuper de leurs enfants, George, Charlotte et Louis. L'héritier de la couronne sera sans aucun doute aidé de leur nounou et de sa belle-mère, Carol Middleton. Bien qu'il soit entre de bonnes mains, la princesse de Galles serait tout de même très inquiète à l'idée de ne pas voir ses enfants et attend déjà les retrouvailles avec impatience.